information, il y a gagné dans la question, eh bien, gros événement ça qui est arrivé dans Port-au-Prince, dans la nuit 6 pour l'ouvrir, 7 juillet passé à côté d'un commando armé, rentré la caille président Jovenel Moïse, il y a assassiné. Et puis, écoutez, eh bien, madame Nite blessée gravement, l'Ital prend soin, eh bien, non, Miami. Donc, non, point de presse ça, eh bien, donc, le premier ministre AIA, Claude Joseph, lui remercie d'abord presse locale, presse internationale, communauté internationale là, chef gouvernement dans le Caraïbe là, donc, disons, secrétaire d'État et américain, président et ministre affaires étrangères et Turken Kaikos, ministre affaires étrangères pays Espagne, donc il dit qui relève et qui fait et sympathie avec elle dans l'occasion gros événement crime ça arrivé dans le pays d'Haïti. Donc il dit, eh bien, première dame, non, information qu'elle était parlé à clé, elle a un privilège de parler à clé dans le moment où elle est sortie dans la salle d'opération hier samedi. Donc il dit, eh bien, première dame, non, en forme. Donc Premier ministre AIA qui dit que c'est gouvernement intérimaire, qui a charge gouvernement intérimaire, d'après ça, le fait qu'on est, il manifeste volonté pour la famille présidentielle là, toute famille avec eh bien, toute population haïtienne dans joindre justice après gros crime ça, et commettre sous président élu en fonction d'après ça, le dit Jovenel Moïse. Il remercie tout population haïtienne là, et donc qui pas fait des autres après gros événement ça, qui coûtait et appel au calme. Il était lancé, d'après ça le fait qu'on est, et qui aidait le capturer mercenaire. Donc, lui continue tout pour le remercier pays États-Unis qui déjà offrit aide tout pour être capable de continuer à mener enquête là, pour l'enquête là avancer, pour être capable de faire lumière sous question des assassinats qui fait sous président Jovenel Moïse. Là, il y a un directeur général à IPNH là qui fait qu'on est lui-même, eh bien, enquête là avancé sérieusement, il y a des nouveaux éléments qui gagnent dans enquête là. Donc j'ai noté dit il y a 26 Colombiens. Alors il y a enquête administrative avec enquête DCPJ qui a continué mener. J'ai noté dit il y a 26 Colombiens qui participaient dans quoi d'après ça DGPNH là réaffirmé et il dit actuellement il y a 18 Colombiens qui en bas code. Gagné 5 qui en cavale et l'enseignant appelle la population pour continuer à aider le chercher monsieur Sayo puisque au dangereux d'après ça il dit une capacité pour résister n'enrager et sans y pas manger et donc en tant que commando d'après ça DGPNH la fait qu'on est et puis gagné 3 colombiens qui décédé. Nouveau rebondissement qui gagne la question ça c'est que gagné yon haïtien et bien qui la police arrêté dans cadre de question ça qui relait Christian Emmanuel Sanon. Donc monsieur lui-même yo il était rentré en début mois de juin dans pays d'Haïti à bord yon vol yon avion privé. Donc monsieur était gagné mission pour te recruter donc en pile dans Asaya yo et puis ta mission il t'a pral changer d'après ça de GPNH là lui-même li fait qu'on est. Donc il dit eh bien citoyen ça li gagné connexion avec yon film dans Miami yon film côté et qui yo disons un film commando dans Miami et eh ben monsieur lui-même c'était mission ça gagné pour te recruter en pile dans membre disons dans mercenaires ça. Ensuite il fait qu'on est de GPNH a fait qu'on est les la police débarqué la caille monsieur et mais ils ont un paquet de munitions avec des documents qui extrêmement important dans le cadre enquête si là. Donc DGPNH a pral bay détail sous question. Entre temps li fait qu'on est DGPNH à IPNH la fait qu'on est Colombie gouvernement colombien et eh ben li dit li déjà a bay sipol à gouvernement haïtien pour eh ben chercher information dans immigration dans pays Colombie pour connait qui est monsieur Sayo monsieur mercenaire Sayo te quitté pays Colombie et date yo quitté pays a et puis qui est moun qui te payé billet avion pour yo pour te rentrer ici dans pays d'Haïti puis faire eh ben commettre gros crime ça sous président Jovenel Moïse. Nous invitons à écouter déclaration du Premier ministre AIA Claude Joseph qui dit c'est lui-même qui gagne charge et gouvernement intérimaire là. Et ensuite, on va écouter déclaration DGAIPNH là, Léon Charles. Je nous tous connaissons. Nous avons traversé un moment, nous sommes capables de dire, qui est extrêmement difficile, qui est caractérisé par la mort tragique
et un président qui est élu pour 5 ans, qui est en fonction. Drame ça, il n'a pas laissé personne indifférent. C'est ça que fait ma remercie la communauté internationale là, mais particulièrement Premier ministre, chef gouvernement dans Caraïbes là, secrétaire d'État américain, hein, président et ministre des Affaires étrangères turc là, et ministre des Affaires étrangères pays Espagne, pour me citer ça seulement, parce que moi recevoir en pile appel. Une bonne nouvelle, c'est que famille président, mais particulièrement Madame Lee, qui subit une opération hier, mais est-elle li en forme. Nous parlons plusieurs fois hier, les lapsotis dans la salle opération, moi été honoré, que c'était le premier monde que j'ai relé, pour te dire que l'en forme, moi n'ai pas besoin d'inquiéter. Je connais ça. N'a pas géré là, les plus difficiles. Ça n'a pas géré à ce qui ça, c'est un gouvernement intérimaire qui prend charge après la mort tragique au président et que principale préoccupation, c'est enquête là. Principale préoccupation moi-même, comme Premier ministre, c'est enquête président pour le capable de une justice. Pour madame li capable de une justice, première dame là, pour petite garçon yo capable de une justice, pour petite fille capable de une justice. Pour également allier examen capable de une justice et somme toute pour nation capable de une justice. Moi je veux féliciter tout monde dans population qui garde calme yo parce que peut-être plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour te faire des chocages. Population, depuis premier jour, il tendait appel gouvernement, appel premier ministre, qui c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents, il agit avec vigilance pour te aider la police nationale à capturer Colombien avec deux Américain yo. Enquête là, c'est principale préoccupation. Parce que un président pas qu'à mourir dans conditions que nous connaissons, torturé, humilié de façon on la mort tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement les amis aux États-Unis, qui déjà offrit aide-lui dans l'investigation, dans l'enquête là. Parce que le gouvernement croit que faut enquête là faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous allons aller. Je vais adresser encore, une autre fois, avec les haïtiens, pour me dire, restez calme, nous-mêmes, nous avons fait tout ça capable pour nous battre le président, pour nous faire jouer une justice. Bien pile, fauteur en nos troubles. Nous connaissons effectivement un coup d'État, un assassinat comme ça, ce n'est pas un bagage qui est capable d'être impuni. Nous, oui, nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile précipitation, je pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble. Pour nous capables de faire une justice. Pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça qui intéresse nos principales préoccupations, c'est faire une justice, c'est enquête là. Nous avons précipitation, mais il y a tombé par propre tête pas. Parce que c'est vérité qui peut blâmer, pas gagner un rien qui peut entraver le processus là, enquête là que la police a mené. Merci, PN. Pour opportunité ça, ou ben nous l'autre fois encore, pour nous informer pays, le monde entier, sous évolution enquête qui dirigeante dans le cas assassinat président Nouma. Fondine, il y a deux
dans le cadre d'investigation, ça a deux niveaux d'enquête qui ont commencé. La première enquête, c'est l'enquête administrative qui a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables, les différentes unités qui étaient responsables sécurité, président, nous relais responsables, inspection générale, prend des mesures conservatoires et n'a continué à chercher information pour garder degré d'implication de chaque entité. L'enquête judiciaire qui a conduite par la direction centrale de la police judiciaire, nous sommes en phase très avancée. Par rapport à la présentation que nous avons fait vendredi dernier et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui font partie de commando ça qui a attaqué le président. De 26, nous, de vendredi à jeudi, il y a un qui récupéré avec appui population en Colombien et bon, l'autre haïtien que nous arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 Haïtiens, 2 autres qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus 1 Haïtien que nous avons arrêté récemment. Monsieur Sahar, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça a été menée nous, kay individu ça. Et m'a dit, jusqu'à présent, c'est un individu qui était entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que nous avons. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de la question de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance à eux que nous avons mentionné déjà. Il est rentré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques mounsayo qui t'apprennent dans un premier temps assurer sécurité business li, tête pali, en tant que président de la République. Alors, mission qui était au départ, c'était dans un premier temps pour assurer sécurité. Individu Emmanuel Sanon. Mais par la suite, mission a changé. Bien entendu, information ça, nous recueillons une enquête entrevue que nous avons avec bandit colombien ça, en présence d'un interprète et qui est dûment autorisé pour faire ça. Mission a changé. Nous présenté par Yon. Dans la salle, au mandat pour y aller procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la psychologie, nous connaissons tout qu'on est. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 lots assaillants qui viennent rentrer, jouer une première équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquer pour progression bandissaire. Le fin perpétré crime ça premier monde
que yon nan sa yon yon, rele, c'était Emmanuel, Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqué que nous reconnaître comme nos bras n'a venu au fur et à mesure avec Elimayo comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joint la caille Christian Emmanuel Sanon, nous joint un képi qui écrit derrière, nous joint 6 étuis pour fusil et pistolet, nous joignons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous joignons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous joignons un chargeur de pistolet non garni. Nous joignons 24 cibles de tir non utilisées. 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. N'a profité pour nous dire tout. Gagner plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, du gouvernement de la Colombie, constituée par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration nous pour qu'on permette nous retracer éléments ça yo qui le yo quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour yo, à qui est-ce qui était en communication avec la Colombie et source de financement yo, qui est-ce qui paye yo, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que City You, la firme que nous parlons nous, est basée en Floride. Donc, c'est toute information que nous gagnons pour nous partager avec la presse, la population et le monde entier pour nous dire que le gouvernement, la police là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous auteur intellectuel, parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens. Qui souterrain. Il y a 5 là-dedans qui sont en cavale. N'a pas dit population pour continuer contribuer, aider la police à rechercher yo, parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans de yo, n'a pas cherché yo avec collaboration de toute population et partenaires étrangers captera avec nous sur le CSA. Merci. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'était dernier update, dernier information qui tombait sur gros événement ça qui passait dans le pays d'Haïti côté armé, donc commando armé et mercenaires débarqué la caille président dans la nuit 6 pour le 7 juillet passé à mais yo assassiné et puis blessé première dame nan gravement qu'on connaît qui t'a prend soin sous cabane l'hôpital et d'après dans le pays États-Unis et d'après toute information DGPNH la baille donc avec premier ministre AIA, eh bien, première dame nan li en santé. Donc, pour nous, c'est enquête qui va poursuivre ni au niveau diplomatique, ni au niveau pays d'Haïti, eh bien, pour rejoindre tout le monde qui était impliqué dans eh bien, et attaque ça qui fait dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet passé à, et qui coûtait la vie à président et qui était blessé première dame. Donc c'était Zamion frère met info qui t'observe vous, nous remercions pour écoute et attention, n'a croisé demain dans même l'heure même antenne, sinon si pas gagné nouvelle information qui monte qui mandine pour nous retourner à l'antenne le plus tôt possible. À bientôt.